Bonjour à tous les amis, c'est Johnny Dream, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un tout nouvel épisode du LPL à Vanille et je suis en compagnie de ma chère et tendre Lilo. Bonjour. Donc, Lilo, comme tu as pu montrer en début d'épisode, peut-être de ton côté, je ne sais pas si tu comptes le montrer ou pas, mais j'ai fait une petite bêtise. Oui, je compte bien le montrer, par oui. Contre, hein par contre, je rigole. Oups, parce pardon. Que... mais vas-y, mais moi des tartes hein. J'ai mal évalué ma distance. Ce qui me fait marrer, c'est que regarde le coffre, on dirait le Saint-Coffre, tu vois, il est tout illuminé par ouais, rapport je te jure. Donc, sans faire exprès, je vous explique. Donc, première chose, déjà, on est passé en 1.12 au niveau du serveur, donc voilà. Mm. D'ailleurs, on compte aujourd'hui mettre à profit cette petite nouveauté de la 1.12. Oui. Enfin, une des nouveautés, du moins. Et Boubou nous a amené quelque chose. Donc, il y avait... Dessus, il était écrit... chaud cacao, donc voilà, on remercie Boud. Voilà. Sans faire exprès, je l'explique. Comme j'ai passé le savoir en 1.12, j'ai cru qu'il avait reset mon pote de spawn et que donc j'étais au truc à la base, enfin au pote de spawn de base, pas dans mon lit ici quoi. Et donc je m'étais mis dans le créa pour revenir jusqu'ici pour éviter, enfin voilà, mais en fait non, enfin voilà. Donc j'étais en créa quand je suis. Quand j'ai pété ce coffre, et donc vous pourrez voir sur la vue de Lilo que. Oui, que je vais mettre genre maintenant. Comme ça, tout le monde verra ce que t'as fait. T'es vraiment une vilaine. Ça, je prends tout et je me casse avec tout. J'ai même pas vu, moi, ce qu'il y avait dedans. Il n'y a plus rien. C'est tout pris. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait des fèves de cacao. Ah bah oui, bah du coup, regarde, tu vois. Je les ai plantées. Ah bah, on en avait alors, en plus. Bah, j'avais été en chercher, puisque tu m'as dit « Ah, ce serait bien qu'on fasse ça. » Alors du coup, j'ai été... Bah à la base, c'était pour les perroquets, mais comme en fait, les perroquets mangent pas de cookies. Vu qu'on va essayer d'aller chercher des perroquets aujourd'hui, Lila, c'est bien. Exactement. J'aimerais bien avoir un chasse aux perroquets. Seul truc un peu chiant, c'est qu'ils vont nous suivre partout et que c'est possible qu'on les perde en cours de route. C'est juste ça qui est un peu chiant. Oui, voilà. Alors... Et pour ceux qui posent la question, ah, ton pack de texture, c'est quoi? C'est le Sama Faceful. Voilà, comme ça, vous savez. Et les shaders, c'est le Chocapic Medium. Et donc de mon côté, c'est pareil, c'est le Sama Faceful. Par contre, j'ai mis le Chocapic en high. Height. Ah oui. Bon, ouais. Moi, ce que je pense que peut-être voir, c'est peut-être les mettre dans les... Oui, il faudra les mettre ailleurs. C'était un test, mais ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Mais ça pousse du coup que sur ce bois, oh, visiblement. Qu'est-ce que c'est beau ce coin-là avec les shaders. T'as vu? Ah oh, ouais, hein, ça suffit, hein. Hein, voilà. Flûte. T'as qu'à les manger, tes carpettes. Ah, c'est vrai que maintenant, on a les progrès aussi. Oui. Ah mince, Boone, il a dit hello dans le chat. On n'a pas répondu. Ah, coucou. Voilà, la famille. Ouais, j'avoue, en plus, oui. On est bêtes. Ah bah il est avec nous. Il est dans le seul enregistrement. Il dit rien. Bonjour Moon. Tu m'étais dit que t'en as quelques conseils. Là maintenant on va aller choper. Tu t'es dit que j'aurais besoin de conseils pour du pull. Pour des décos, pour des trucs. Bah là nous on va choper des perroquets pour te dire. Donc, mais tu peux venir. Hop. Oh, oh, oh. J'avais tellement envie de le faire. J'avais tellement envie de le faire. D'habitude c'est moi qui le fais aux gens. Bon, t'as ce qu'il faut sur toi? C'est par où qu'on va? Ah, attends. Hop là, voilà. En avant. Allons-y. Ah, voilà. Ah, voilà. Musique d'exploration les amis, hop. Exactement. Thank you.
des pastèques. On en a déjà à la maison. Oui, on en a déjà à la maison. La pastèque. Voilà. C'est bon, c'est Boubou qui a fait la pastèque. Oui, c'est Boubou. Il est là, ça va, qu'il a changé. Je suis dans le Mesa, vous êtes où? On est à côté du Mesa. Je suis suivi de loin. On est à l'ouest. On a suivi, on a été stalké. Enfin, en fait, non, c'est juste que j'ai reconnu le paysage quand tu disais... Alors, attends, en fait, ce que je vais faire, Boone, est-ce que je peux faire ça? Non, est-ce que je peux faire ça et faire ça? Oui. Ça va. Voilà, Boone. Bon, on n'a pas de lit et pas de torche, on va tous mourir, mais à part ça, tout va bien. Voilà. Bah, si. Ah, je t'ai perdu! Je cherche après petit perroquet. Ah, je sais pas où t'es. Perroquet. Ah, je suis juste à côté. Ah, coucou, Lila. Je pense qu'il faut qu'on reste dans la zone, tu sais, pour charger. Ouais. Je pense. Par contre, on a vraiment pas de laine derrière. Ouais. Oh, ça crave. On va mourir. Mais c'est pas grave, on a un beau coucher de soleil. Pardon, excusez-moi. T'as tiré sur Boone ? Non, non. J'ai tiré sur un squelette. Ah, mais il paraît qu'il y a un truc qui fait que si on tire sur un squelette à plus de 50 blocs, et ben ça fait un... Un achievement, ouais. Un achievement. Ah, j'en ai eu un, mais je sais pas ce que c'était. Moi, je vois. Donc, je vais rester près de Lilo. Bah, je regarde avec... le zoom, voir si je vois pas Bouboune arriver, mais... C'est un minimap, tu devrais voir normalement... Oh merde, j'ai eu un... Oh mais attends. Oh mais c'est... Oh, oh. Non mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait, j'ai visé l'araignée, au moment où je tire, il y a un squelette qui a spawné, mais vraiment pile au moment où j'ai tiré, quoi. Mais vraiment, je l'ai vu apparaître d'un coup, quoi. Bon, par contre, on n'a pas beaucoup de flèches, alors... Voilà, quoi. J'en ai 27. Je vois pas Bouboune, mais... Bon, mince, j'arrive pas à la voir. Oh, j'ai une patate. J'ai tué un zombie, même pas, c'est une patate. Coco, Bouboune. Oh, il y a des aurores boréales. Donne-moi ta patate, Bouboune. Patate. Aïe. Ah, d'accord. Non, mais moi, je la veux pas. Hein. Non, non, moi, j'ai pas lancé le petit. Ah, qui nous a tiré dessus? Ah, bah, lui. Je m'en occupe. Mais j'ai dit, je m'en occupe. Je m'en occupe, genre le ouais. Balls, tu vois, il passe. J'ai pas besoin d'être défendu, moi, j'ai hein. J'ai mon bouclier, donc ça me. C'est très extrêmement. T'inquiète, je m'en sors. Oh, comme c'est beau ici. Oh, dommage qu'on a pas de poisson, purée. J'ai du poisson. Oh, vas-y, donne. Fais doucement. Ouais. Donc, tiens-le en main, fais doucement. Clique droit sur lui. Oh non, il va courir. Donc, tu fais très doucement. Tout doucement, vraiment très doucement. Bah, il est parti. Même au niveau de bouger ta souris, même au niveau de ta tête, tu fais extrêmement doucement. Vraiment très très doucement. Ah, il s'est barré, je crois. Il est parti. Non, sur le wiki, c'était juste que ça apparaît sur les biomes 5, mais... Il est parti. Bah, écoute, t'en as beaucoup, tes poissons? J'en ai 11. Tiens. Ça serait purement assez pour en avoir. Merci ma poulette. De rien. Bah, par contre, ils sont cuits. Alors, je sais pas si ça a une incidence. Non, enfin, c'est cru. Ouais, bah voilà, ok, alors c'est ça. Ah, bon, bah c'est ça. Si ça approche, en fait, au moment de s'approcher et après tu lui donnes, mais si ça approche pas, c'est que c'est tellement que. Il est pas intéressé. Bon, bah dans ce cas-là, c'est vite fait. Hein. Ah, c'était une canne à pêche sur toi? Ah, oui, toujours. Je mets mes jumelles. Bah, y'en a pas. Y'a pas de perroquet? Je sais pas, là, je suis avec le zoom optifine, là, je regarde un petit peu. J'entends un Enderman. Oh punaise, j'ai pêché un livre enchanté. Ah, je t'ai peut-être repéré. Peut-être. J'ai mis une torche là où j'étais. Hein. Ah oui, je te vois. Je te vois.
Il y a un accès pour grimper aussi, si jamais tu voulais. D'accord. Oh, c'était quoi ça? Un creeper qui était derrière moi, moi. Tu as un... Ah oui, je te vois. Tu as un zombie qui tue. Si tu as du bois avec toi, t'as du bois avec toi? Non, mais j'ai de la terre. Ouais, bon, c'était juste pour faire des... T'as des lianes pour grimper. Tu crois qu'on a un bruit aussi, attends. Un cuicui. Oui, un petit cuicui comme ça, t'as entendu, hein? Oh, j'entends des cuicui. Mais oui! Tu vois, y a pas que moi qui entends des cuicui. Oh, il trouve un perroquet. Non! Oh non! Il trouve un perroquet. Et puis il est un hyper petit perroquet blanc. Oh, c'est un perroquet blanc. Il est magnifique. Non, on a le seum toutes les deux, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, on sait que l'eau avait des cuicuits tout à l'heure, c'est qu'il y avait un perroquet tout près. Oui. En fait, ils spawnent pas en masse, pas comme les snapshots, c'est vraiment aléatoire, par-ci par-là, quoi. Mais il faut les chercher. J'essaie de prendre un screen, mais il se barre. Ça a des graines sur toi, c'est d'apprivoiser. Ouais. Ça va, il a notre petit abri de fortune, hein, c'est pas... Oui, ça va, c'est pas... Tu peux même pêcher d'ici, j'en suis sûre. C'est pas dégueu. Ah ouais, tiens, je vais essayer. Une graine, il faut. Ta-da-da. Et c'est barré. Eh, nickel. Oh, punaise, nickel. Et t'as vu ça? Et je voulais faire un truc comme ça pour toi, tu vois, quand on sera... Ah ouais, base. Trop bien. Tu seras bien à l'abri, tu vois. Oui. Oui, parce que le nombre de fois où j'ai refait les stackages chez nous... Tu l'as, Bobo? Je sais pas. Il a fait des particules quand j'ai passé. Mais. Je sais pas combien de graines il faut en fait pour lui donner. Je sais pas trop non plus, bah essaye jusqu'à ce que. Voilà quoi. Il a pris comment on fait pour l'avoir sur nous. Ah merde, j'ai tapé! Oh, pardon, t'en veux pas! Il y a un bouchon de pêche ici. Ah, c'est toi! Puis tout à l'heure, elle se promène autour en fait. J'ai essayé de pêcher Boone. Mais. je sens que tu vas te faire clarifier, mode toi, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu vas te calmer, oui. On se rapproche. Il est où le bouboune du coup? Il est reparti. Sur les feuilles de l'arbre au-dessus. Faille à côté. Ah, il est grimpé au-dessus. Ah, il est grimpé au-dessus. Je regarde si je veux pas des tu sais quoi, j'ai voulu faire une petite maison de fortune ici. Oh ouais, vas-y. Eh ben tu sais quoi, on pourrait peut-être finir l'épisode là. Ah, j'avoue, là. Et faire la maison de fortune sur un deuxième épisode, non, tu crois pas? Ouais. Hein? Ouais, ça va, ouais. On va faire ça. Bah écoutez, les amis, on n'a pas trouvé de perroquet. Bobo, elle a trouvé un. Hein, ouais. Il l'a frappé, et donc il est parti. C'est ça. Mais il est resté à côté, hein. Mais je vais essayer avec le replay mode de trouver où était Bouboun et puis je passerai les images et je te les passerai aussi jeudi du coup. Ouais, et donc nous ce qu'on va essayer peut-être de faire c'est sur une petite maison dans là. Ouais, bien. Bah ouais, écoute. Donc voilà. Oh, quand je fais F5 c'est parfait. Oh, je vois tous les deux. Ah. Ne bouge pas, Bouboun, regarde vers moi. Voilà, oh. Moi je dis screen. Ah, oh, c'est parfait. Bah voilà, en tout cas, on vous remercie vraiment pour d'avoir regardé cet épisode de 2. Ça aurait été un petit peu ennuyeux, non? Qu'est-ce qu'il fait l'autre con derrière? On n'a rien fait de super pipou. Mais voilà, on aura un peu exploré, on aura découvert des choses. Donc bah voilà. Lilo, le mot de la fin. Eh bien, plein de bisous, les amis, et à la semaine prochaine! Ciao!